Salut Odile. Salut Reynold. Entraînement en forêt. Il y a tellement de trucs à découvrir dans ce monde. Voilà, donc bienvenue à tous ceux qui rejoignent ce live pour cet entraînement en forêt. Il y a beaucoup de boue par terre, c'est pas facile avec toute la boue, mais bon, voilà, il n'y a pas de problème. J'arrive à un point là justement, on arrive petit à petit. Salut mes... Là, il y a beaucoup de personnes là. Miko, Florence, Jojo, Osonès, Sylvia, User, Slimbo. Vous êtes pas mal là à rejoindre. Salut French Army. Réseau de Farm Internet, etc. Bonsoir François. Tout le monde se connecte dans ce live. Là, j'arrive à une clairière. J'arrive à une clairière. On va voir ce que c'est. Sympa. Sympa, sympa, sympa. Ah, je connaissais pas. Sympa, sympa. Salut toutes les personnes qui se connectent. Sympa la clairière. Waouh. On va aller voir les bois là-bas. Là, je sors à peine de la forêt. Entraînement du dimanche. J'ai envie de dire. C'est chaud. Salut à tous ceux qui se connectent. Merci de rejoindre ce live. Tout à l'heure, il y avait une cabane. J'ai croisé une cabane aussi. Ah, là, c'est plus pour faire un feu et tout. Ah ouais. Salut Alexis, salut Ben, salut Saitama. Ouais, tu vois, tu mets une petite tente ici, t'es tranquille. Tranquille pour quitter ce monde de malades qui sert à rien. Ah là là. Bon, on va, en fait, faut essayer que... Je voulais essayer de trouver le cadran solaire. En fait, apparemment, il y a un cadran solaire. Mais il faut le trouver. Donc, si vous voulez, on va essayer de trouver le cadran solaire ensemble. Alors, j'avais cru comprendre que, justement, à partir de cette route... alors, attendez, on va voir. Donc normalement c'est par là. Et après faudra aller à gauche. Il fait pas chaud, hein, il fait 3 degrés. Super entraînement. Mais super endroit aussi. Je suis sûr qu'en été, là, les plantes, là, tout ça là, il y a des trucs qu'on peut manger. Je suis persuadé. Après il faut identifier les plantes et tout. Mais voilà quoi. Mini mode survie quoi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a du monde là qui s'est connecté. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Par contre, ouais, c'est, il y a vraiment du bois partout. Hein, faut vraiment connaître. Mais c'est sympa. C'est sympa. On est bien tranquille. On est bien tranquille. Il y a un truc là-bas, mais c'est trop loin. Bon, on va aller là et puis on va tourner à gauche pour voir si on trouve le cadran solaire. La semaine dernière, on avait cherché la tour. Et cette semaine, on cherche le cadran solaire. Donc voilà un peu le sujet du jour. J'espère que vous m'entendez bien. Et on va essayer de chercher le cadran solaire. Ben c'est sympa, j'entends des gens au loin, mais ça, voilà, ça va pas être simple. Salut Vulcain, salut Tony. On cherche le cadran solaire.
C'est presque... J'ai l'impression d'être dans un jeu de télé, là. C'est la course au trésor. C'est la course au trésor, les gars. Il faut trouver le cadran. Même si on ne sait pas où il est. Donc on va continuer. On va essayer de... On va faire droite, et puis on va essayer de trouver. Donc droite, je sais pas si vous voyez, là, droite. On va essayer de la jouer comme ça. Pas simple. Mais je vois où je suis. Et c'est sympa. Attends bien, c'est un coin où j'étais pas encore allé. Donc ça va être l'occasion d'aller se le taper. Et après, on refera entraînement en forêt, là. C'est pas mal, là, par là-bas, là. Tout ça, là. C'est pas mal. Il y a des bons coins. Marie-Hélène, salut. Gérard, salut. Bienvenue sur le live. Donc, bon, on va essayer de faire le droite, là. Et puis... si on peut, après, voilà, on va aller voir. Non, je suis pas très loin, mais... Mais bon. Ah, on va essayer de voir. Attendez, je vais... Je suis vraiment pas loin, les gens. Je suis vraiment pas loin du cadran solaire, donc... Restez bien en live. On va essayer de le découvrir par nous-mêmes. Ce cadran. On va bien finir par le trouver. Alors, je crois que la dernière fois j'étais allé un peu par là. Mais oui, c'est parce que par là c'est le comment je dirais, la tour. Mais le cadran il est à l'opposé en fait. Donc restez bien dans cette presque course au trésor, j'ai envie de dire. Nous allons le trouver. On finira bien par le trouver. Bon, on trouve des chiens, c'est bien, mais il n'y a pas que les chiens. Il faut trouver le cadran. Par contre, là, ça descend, les gens. Ouh là là, celle-là, elle a une belle descente. Il faudra forcément remonter après. Salut Victor Oliver, Alain. Dudu, je regarde un peu mes pas puisque là ça descend sec. Ça descend bien sec. Donc ouais, ce côté-là par contre me semble moins intéressant. Je vois qu'il y a... Si, il y a une cabane là-bas mais elle est toute petite. Ça n'a pas d'intérêt. Pas d'intérêt. J'en ai croisé une bien plus grosse tout à l'heure quoi. Ici, vraiment sympa pour tester le mode survie. Merci à tous ceux qui regardent le live. Vous pouvez envoyer une rose si vous le souhaitez. Vous serez le premier et vous aurez une récompense TikTok. Ah ouais, là, ça descend puis ça remonte d'un coup. Je sais pas si c'est vraiment bien visible à l'écran, mais là, ça descend de chez descend et ça remonte d'un coup. Pourtant, on est juste à côté. Hein. On est juste à côté du cadran solaire. Est-ce qu'on va le trouver? Salut Pierrot, on cherche le cadran solaire. C'est le jeu d'aujourd'hui. Alors il est où ce cadran solaire? Oula là, il y a des trucs aussi. Oula là là là, alors attendez. Je vais faire un repérage. On doit être juste à côté. Est-ce qu'on va le trouver? Est-ce qu'on va le trouver? Il est où? Ah, je vois quelque chose au loin, peut-être c'est ça. Peut-être on y arrive.
Peut-être on l'a enfin trouvé. Restez bien en ligne. Est-ce qu'on a trouvé le cadran solaire? Oui, je crois que c'est ça. On l'a trouvé. Alors on va y aller. Il reste. On est à 20 mètres. Hein. On va pas partir maintenant pour retrouver. Et on y arrive, on y arrive. On y arrive. Voilà, bon, il y a un petit peu de boue, mais ça va aller. Et on l'a trouvé. On l'a trouvé, ce cadran solaire. Vous voyez les gens, ça y est, on y est. Merci aux personnes qui regardent. Cadran, il y a un truc. C'est tellement grand. Alors, le chemin du philosophe, cadran solaire. Le poteau, ok. Une heure en hiver et deux heures en été, pas là. Est un outil pédagogique, ok. Nature et le temps. Face aux contributeurs, ok. Bon, c'est sympa. Donc, il y a même un petit banc. Bon, voilà, pas très compliqué à trouver finalement. Une fois qu'on connaît les bonnes routes, c'est facile. Ah, il y a même les chiffres. Il y a des chiffres dessus. 17, 18. Sympa. Bon. Il faut faire le retour. Parce que vu le ciel, on aura normalement, je crois, la tombée de la nuit dans 56 minutes. Donc voilà, bon bah encore une fois, ça mérite plus d'exploration. Mais on va faire avec. Hop. Donc ouais, normalement, il faudrait aller tout par là-bas pour voir. Mais on peut pas, à cause du ciel. Il y a tellement de trucs à aller visiter. C'est sympa en tout cas. On va juste aller un petit peu là tout droit, pas loin, juste pour voir. On va voir ce qu'il y a vite fait. Ah putain, encore la boue. Pas sur le côté. Il y a un petit ruisseau là qui passe. Voilà, hop, c'est passé. On monte. Là, ça monte. Et on croise même des gens quand même. Hein. Voilà. Malgré la boue. Bonjour. Donc oui, là il y a un grand arbre là-bas. Il y a un grand arbre. Mais bon, c'est un peu compliqué d'y aller. Il y a un grand arbre. On va y aller vite fait. On va y aller vite fait. Heureusement, le retour est assez rapide. Quand on connaît les chemins, il n'y a pas de problème. Très intéressant en tout cas. Je sais pas, on dirait il y a une pierre en dessous, quelque chose comme ça. Donc on va voir un petit peu. Ouais, il y a un truc. Allez, je suis à 50 mètres. Visiblement, faut passer par en haut. Ouais, ça y est, un grand arbre. On y arrive presque.
Et voilà, ça y est. On y arrive, c'est quoi cet arbre? C'est un... Oh, y a des trucs de philosophie. Ah si, c'est le... C'est une sorte de cimetière, oui, j'avais déjà vu. C'est une sorte de cimetière. C'est ça, cimetière de Basque. Ah bah, je suis tombé dessus par hasard, j'ai envie de dire. Ouais, y a une petite rivière qui coule. Ok. Bon, sympa en tout cas. Voilà, bon, allez, retour. Donc, salut, Michel Leclerc 6976, Adrien, salut Aïssatou Barry, bienvenue dans le live. Le but était de trouver le cadran solaire et on a trouvé aussi l'arbre avec le cimetière. Donc on a tout trouvé, c'est bien. Hop. Ça permet d'apprendre à mieux se repérer en forêt. Et là, il n'y a pas de problème, je sais exactement par où passer. En fait, il y a un chemin plus gros là-haut, mais je sais pas si on peut le rejoindre. On va aller voir vite fait, mais je sais pas, sinon on repart en arrière. Hop, c'est sportif, ça monte. Hop. Voilà. Ouais, c'est bien, vous êtes plusieurs à vous connecter, je vous remercie. Ouais. Les chemins sont un peu compliqués là aujourd'hui. Je sais pas si on peut rejoindre. On va voir. On va voir. J'espère que ça remonte pas trop au niveau de la route. Que c'est con, c'est juste derrière en fait. Mais ouais, je sais pas, ça va remonter loin. C'est peut-être ça le problème. Si ça tourne pas à gauche, c'est la misère. Ça fait trop loin. Et c'est pas dans le bon sens en plus. Pourtant c'est con, c'est juste derrière. Alors on va voir. On va essayer, vous êtes plusieurs à rejoindre le live. Salut Martine, salut Karl. Ouais, alors là, soit ça va à gauche, soit c'est pas la peine. En gros, c'est ça le truc. Si, j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite route, petit chemin. Peut-être que ça rejoint la grande route. Ah si, peut-être. Je sais pas. Ouais, il y a même pas l'eau. Mais bon, je me repère à la direction. Qu'on va monter. Attention, ouais, petit chemin, pas facile. Tout petit chemin. Mais ça remonte en tout cas vers la route, donc j'ai bon espoir. Par contre, trop bien le chemin. Très très bien. Très très bien. Ah,
Ça y est, on voit quelque chose. Ouh. Tiens, encore une découverte. Décidément, ce coin-là, c'est quoi ? Sculpture humanité. Ok. Ok, le problème, c'est que... Ouais, ça... C'est bien, mais... C'est bien, mais ça m'emmène pas vers le bon côté. Donc... Là, je suis en train de m'éloigner un peu. Malheureusement, si ça va pas vers le bon côté, je vais devoir rebrousser chemin. Pareil, il y a plein de chemins. Waouh. Bon, on va prendre celui-là puisqu'il va dans la bonne direction. Il y a tellement de chemins, c'est, je pense que pour tout visiter, ça prend beaucoup de temps. Mais bon, c'est pas mal. Salut à tous ceux qui se connectent. Et ça redescend. À moins que je tombe encore sur une surprise, un monument ou autre, à tout hasard, mais je pense pas. Salut Dany qui vient de rejoindre le live. Il y a encore un truc là. C'est quoi? Ah, il y a trop de trucs. C'est quoi? L'homme et la société. Même des bancs. On dirait que c'est un sapin de Noël. Bon allez, on perd pas de temps. À la luminosité, on peut savoir quand le soleil va se coucher. De toute façon, avec internet, c'est très facile de le savoir. Alors là, un passage peut-être un peu difficile à passer, justement. Voyons voir ça. Ouais, ça va pas être facile à... Ça va pas être facile. C'est bien boueux et tout. Hop, c'est passé. C'est bien, c'est sportif un peu. Très très bien. Passage, ouais, sportif là. Hop. Voilà, c'est bon, c'est passé. Allez, on continue.
On continue. Salut à tous ceux qui se sont connectés. Bon, on retrouvera un chemin là, on va voir. On va voir. On y arrive presque. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est la route principale. Yes, je la reconnais tout à fait. Bon, du coup, c'est à gauche. Direction à gauche, il est ouais, 16h16. Donc, on va continuer dans cette direction. Forcément, quand on est sur les grands chemins, c'est plus facile de marcher déjà. Mais bon, c'est très bien. Très bien comme ça. Alors, qui c'est qui a rejoint le live? Hubert, Yas Reality, Ludovic Martin, Serge, Lourdes Christine, Philippe. Bienvenue sur le live. Donc là, j'ai retrouvé le chemin principal. Et je prends la direction qu'il faut, voilà, tout simplement. Ça peut être très compliqué, c'est quasiment tout droit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se connectent encore. Bienvenue sur le live. Là, effectivement, on voit que les arbres sont plus espacés que dans les chemins de tout à l'heure. Je vois qu'il y a encore d'autres personnes qui se connectent. N'oubliez pas, vous pouvez envoyer une rose TikTok, si vous permet vous-même de gagner des points sur TikTok, pour ceux qui savent le faire. Bon voilà, c'est tranquille en tout cas. Je crois qu'on arrive au croisement, donc après c'est très très facile. Vu l'heure qu'il est, je vais prendre tout droit, mais sinon j'aurais pris à droite, c'est plus sympa. Je crois qu'il y a encore du monde là qui est connecté. Salut Arlette qui vient de se connecter. Postas, Monsieur Bidon. Bienvenue sur le live. 20, 30. Non, vu le ciel, dans à peu près 36 minutes, on va commencer à avoir la nuit qui va tomber. Donc ça va, j'ai largement le temps. Passant par la route principale, c'est trop facile. Il y a des gens à cheval aussi. Salut Emilien qui vient de se connecter. Bon là c'est vraiment facile, hein, c'est tout droit. Il n'y a rien de compliqué. Je regarde les gens qui sont en ligne. En plus là il fait pas trop froid. Franchement ça va.
Peut-être, je sais pas si la température a remonté un peu, mais il fait pas froid quoi. Salut à ceux qui se connectent, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont rejoint le live. Donc vous arrivez un peu sur la fin, mais là vous voyez, il y a le... ça c'est un bon point de repère aussi. Tous les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est toujours des bons points de repère. Bon voilà, ça tiendrait qu'à moi, je repasserai par là, mais pas trop le temps. Pas trop le temps malheureusement. Faut faire des choix. Surtout comme je dis, dans une trentaine de minutes, la nuit va tomber. Donc faut calculer les distances. Pour être toujours au bon endroit au bon moment. Bon, sur les routes principales, c'est vraiment facile de marcher, quoi. Il n'y a aucune difficulté. Rien à voir avec les petits chemins, avec la boue que j'ai passé tout à l'heure. Là, on se rapproche du château. Non, on va pas couper, ça sert à rien. Il y a un corbeau. Je vais juste regarder à combien je suis. Normalement, ça me dit. Est-ce que. Non, il veut pas me le dire. Normalement, je peux savoir. Attendez. 35 minutes de live déjà. Ok, c'est cool. 382 vues. Ok, cool. Bon, bien sûr, hein, il y a aussi par là. Il y a plein de chemins. Bon voilà, à partir d'ici, à part le ciel, c'est moins intéressant parce que là c'est, on va dire, débroussaillé. C'est pas la forêt dense comme tout à l'heure. Ah, c'est juste le ciel qui est intéressant. Je crois qu'il y a des gens qui se connectent encore.
Merci, vous pouvez laisser, comme je l'ai dit, une rose TikTok si vous voulez avoir une récompense par TikTok, pour ceux qui savent le faire. De toute façon, là, on rentre dans une zone tranquille. Papa ! Pas grand monde, à part dernière personne qui se balade, le corbeau. Voilà, bah oui, là il y a encore des chemins à aller visiter, il y a plein de chemins quoi, en gros. On peut y passer du temps. Donc voilà, retour au point d'origine, petit à petit. D'ici une dizaine de minutes j'y serai, donc ce qui correspond tout à fait aux bons horaires par rapport au ciel et tout, pas de problème. Tout va bien. Faut juste marcher. Ce qui est marrant sur TikTok, c'est que quand vous êtes en live, vous recevez des notifications d'autres personnes qui sont en live pour faire un live commun, quoi. Mais bon, des fois, on veut juste faire le live et montrer ce qu'on a à montrer, pas faire des lives duo, quoi. Mais bon, sur TikTok, il y a pas mal de fonctionnalités. C'est vrai que ça permet pas mal de trucs. Alors là, on est à 5 minutes du parking, quoi. Donc juste un peu de marche. Capitaine Flemme a rejoint, salut. Salut à ceux qui rejoignent le live. Bon, on est sur la fin, mais on a atteint les objectifs. On a même trouvé plus que les objectifs, je dirais. Parce que l'objectif, c'était le cadran solaire. On l'a trouvé. Et après, on a trouvé le cimetière. Et après, on a trouvé la statue qui est au milieu de nulle part. Je ne sais pas pourquoi le mec a fait sa statue à cet endroit-là, c'est vraiment au milieu de nulle part. En plus, pour y accéder, il faut aller passer par des petits chemins et tout, donc voilà, c'est, je sais pas, c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est la route qui ramène jusqu'au parking. Pas grand-chose de particulier par là. Des constructions, mais très basiques. Comme on arrive bientôt à la fin, bah je vous souhaite une bonne fin de week-end, une semaine qui va recommencer. Ah si, il y a une cabane, on va aller juste vite fait. Hop, juste pour voir, sort de la route principale, on va juste voir.
poêlé, ça glisse un peu. Des fois il y a des cabanes qui sont bien et des fois il y en a qui sont pas bien. Donc on va voir celle-là. Plutôt pas mal, franchement. Celle-là plutôt pas mal. Je dirais que c'est la deuxième meilleure que j'ai eue. Pas mal. Faut juste... ouais, on va passer par là si c'est possible. Je crois qu'il y a un ravin. Bon, ça va. Toujours un peu sportif des fois. Alors, qui c'est qui a rejoint ? Il y a Mickey, il y a Ispolo, il y a Stéphane, il y a K.O. La Rivière. Salut à vous. On est sur la fin du live. Ouais, cette partie-là, je la trouve vraiment moins boisée. Tout ça là-bas, dans les petits chemins, c'était vraiment la bonne forêt, avec des arbres peu espacés, etc. Mais là, c'est beaucoup plus espacé. On voit que les humains sont passés par là. Donc je vous laisse profiter des derniers instants et après je vais couper le live. Je vais couper le live et je vous souhaite surtout une bonne semaine de travail qui va pas être facile pour tout le monde, mais c'est comme ça, beaucoup de choses à faire. Et vous pourrez passer cette semaine en ayant vu un petit peu la nature avant. Noria a rejoint, salut à toi. Encore ouais, 100 mètres et puis c'est fini. Voilà, regardez le ciel. Voilà, dans une vingtaine de minutes, la nuit va tomber. Donc, je suis 20 minutes avant, c'est nickel. Tout est bien calculé. Allez, je passe la grille et je termine ce live. Bonne fin de week-end.